Recette de pain burger super 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 bon avec Bimbo. Pour les ingrédients, de la tomate, mayonnaise, ketchup, fromage. Ici, j'ai des champignons que j'ai fait revenir avec une échalote et du miel. J'ai un peu de béchamel ici. Et ça, c'est le petit plus qui va faire toute la différence. C'est chez la fonda. C'est la Commence pâte par par volaille. étaler mon pâté de volaille en premier. Ma viande hachée, elle est là avec ma sauce mozza. Une fois que ça c'est fait, je mets mon fromage. J'ai mis ma mayonnaise et mon ketchup sur mes tomates. Là, je vais mettre ma viande hachée. Je mets ma béchamel ici. Mes sandwichs sont presque prêts. Il ne manque plus que les oignons et les champignons. Et voilà, le tour est joué. Regardez-moi ces magnifiques burgers. Hello, petit café glacé. Donc, quand les pauses s'imposent et qu'il fait très très chaud. Je vais utiliser donc du lait sans lactose de chez Jaouda, de la crème végétale dont je vous parle toujours, super bonne, un bon shot de café de chez L'Or Espresso. Je vais aussi mettre du cacao de chez Egbel, pur cacao, et je vais mettre tout ça donc à monter mon lait et ma crème dans la machine Nespresso. Je commence par mettre ma petite crème, pardon, mettre mon cacao en poudre de chez Ekbel. Ça va être génial. Mon petit café. Perfect. Et je mélange. Tadam! Voilà ce que ça donne. Donc, il est enfin prêt à être dégusté. Tchin-tchin. Voici le riz qu'on va utiliser du au fromage. chômage. Du thon, du maïs, du cœur de palmier, sauce nyokmam, sésame oil, mayo. Ici, j'ai de la coriandre, du saumon fumé. Et Et ici, aussi une racine de gingembre frais. du carotte et du persil. Le thon, de la mangue, du surimi, pardon, du saumon, un peu de mayonnaise, sel et poivre. Et on mélange la finale de notre petite salade. Vraiment très très bonne à essayer. Franchement, hyper hyper sympa. Très bonne, très fraîche. Les enfants, ils ont adoré. Ils l'ont réclamé d'ailleurs. Ils l'ont mangé hier et ils en voulaient une autre aujourd'hui. Donc pour vous dire que c'est facile de faire manger des légumes aux enfants tant que c'est bon. Et franchement, elle est hyper bonne. Donc à essayer. Gros bisous!